nous sommes chez RTL, on vient de déposer la lettre et le contenu de la lettre, c'est de demander à RTL quel genre de contrainte qu'il trouve dans notre pays pour nous faire vendre les unités 300 fois plus cher que dans d'autres pays où ils offrent le même service. RTL est en Tanzanie, RTL est au Rwanda, RTL est en Ouganda. Mais en Ouganda, avec 611 francs congolais, RTL offre 45 minutes, 100 SMS et 100 mégas. Mais aujourd'hui, chez nous, avec 1000 francs, vous avez 4 minutes de communication RTL-RTL. Comme par exemple au Rwanda, RTL, avec 100 francs rwandais, équivalent de 200 francs congolais, RTL offre 20 minutes, 20 mégas et 100 SMS. Nous demandons maintenant à RTL de nous expliquer, nous, en tant que citoyens, quel genre de contraintes qu'ils trouvent dans notre pays pour nous vendre les unités 300 fois plus chères, pour qu'ils nous vendent des mégas 300 fois plus chères par rapport à d'autres pays où ils fournissent le même service. Voilà pourquoi notre lettre demande des explications et nos députés doivent nous répondre à cela. Dans le cas contraire, nous avons appelé la population à envahir le palais présidentiel pour que ces autorités qui nous gouvernent nous expliquent pourquoi est-ce qu'on doit acheter les unités les plus chères au monde et pourtant RTL, avec le même matériel, avec les mêmes équipements, ils sont en Tanzanie, mais la population ne consomme pas les unités les plus chères.